Utah, c'est pas un vegan lui. Il a même bouffé de la sirène. Ouais ouais, vrai de vrai. Et depuis, ben, il est immortel. N'en déplaise à Brigitte Bardot. Et donc, depuis des siècles, il traverse le Japon à la recherche d'une de ces femmes poissons qui pourra enfin lui permettre de vieillir. Parce que bon, l'éternité, ça va bien 5 minutes. Mais ces créatures envoûtantes sont belles mais également très dangereuses. Et c'est dans le sang et les sacrifices qu'il va les retrouver. Bah ouais, ça aurait été trop facile sinon. Enfin ! Oui, là y a pas d'autre mot, puisqu'on a enfin une intégrale de Mermaid Forest en France. Parce que oui, le manga était déjà sorti en 98, mais juste le volume 1. Glénat sort enfin l'intégrale des 3 volumes Jap en 2 bons gros tomes en 2021. Créé par Takahashi Lumiko, qu'on ne présente plus, la série de 84 revient en Perfect Edition avec plus de 300 pages par tome. Une nouvelle traduction et, tu t'en doutes, le sens original. Bah ouais, on n'est plus en 98. Mermaid Saga est un titre qui dénote dans la bibliographie de Takahashi Sensei. C'est bien plus sombre et cruel qu'à l'accoutumée. Déjà, les sirènes, en mode non-humaine, sont pas mal moches. Ensuite, goûter leur chair est carrément dangereux, provoquant fréquemment la mort de celui qui se laissera tenter. On est alors face à un titre violent et même horrifique. Avec le perso de Yuta comme fil conducteur, on sentira bien à quel point la quête de l'immortalité est vaine de sens et propice au désarroi. Un titre à découvrir ou redécouvrir pour aborder la grande Takahashi Lumiko différemment. La note de Manga News, 16,5 sur 20. Et si c'est l'immortalité qui t'intéresse, faudra lire, tôt ou tard, Vampire Princess Miyu, Sazan Eyes, Ajin. L'immortalité... Ouais ouais, je dois avouer, ça me tente bien. Au moins, comme ça, je pourrais réussir à finir de lire tous les mangas que j'ai en stock. Mais comme le stock augmente de jour en jour, j'espère que mon immortalité durera un long moment. Abonne-toi, like, commente, partage, je compte sur toi et surtout, continue de suivre la voie du manga.